Exactement. J'ai toujours voulu revendiquer mes racines marocaines. Je ne parle pas d'Aléja, malheureusement. Donc, il me fallait quelque chose qui me soit plus naturel. Et c'est l'art. Et l'art, pour moi, c'est tout ce que j'ai vu dans mon enfance sur l'artisanat et dont le zellige. Et c'est mon histoire en fait. Je suis partie au Japon, je devais me marier au Japon et ça ne s'est pas fait. Et quand je suis revenue, j'étais déprimée et très triste. Et en fait, c'est cette reconstruction que j'explique dans cet autoportrait que je réalise donc en petites pièces pour reconstituer ma vie parce que finalement, cette histoire m'a rendue plus forte. Et m'a permis de réaliser mon rêve d'artiste. Et donc je replonge mes racines dans le Maroc, avec le zellige. Ici, on sait tout faire. On n'a peur de rien, on veut tout essayer, on veut tout tenter. Il faut juste les idées. Et moi, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas faire. Donc voilà, on est complémentaires.